On espère que vous allez bien. On est dimanche matin. Maïti est en train de faire de l'écriture. Ouais, c'est bien. Mais c'est pas du tout quelque chose lié avec ses devoirs ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle avait envie de faire un petit peu d'écriture. Donc elle a fait ça un petit peu à la va-vite. Mais ça va. Ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Tu aurais dû le faire sur ton cahier directement que maman t'a acheté la dernière fois, mon chat. J'avais pas assez de place. Mais si, ton cahier, il est vide, le cahier orange là. Avec le petit chat dessus, tu sais. C'est pas un petit chat. De quoi c'est pas un petit chat? Ah non, c'est un petit nounou. Je croyais que c'était un petit chat, moi. Je suis trompée. Il y a plus de place, regarde. Il y a plein de feuilles. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, là je filme avec la caméra. Elle s'est rallumée. Voilà, j'ai réessayé, elle s'est rallumée. Donc je vais composer avec caméra, téléphone, on verra bien ce que ça donnera. Et j'espère que l'écran rouge ne va pas revenir. Voilà, c'est ça, parce que du coup quand c'est tout rouge à la caméra ici, eh bien ça fait rouge sur la séquence aussi. On a eu la preuve la dernière fois. Là je suis en train justement de commencer à monter le vlog que j'ai fait hier avec le téléphone. Donc on va voir s'il y a une grosse différence de qualité entre les deux. Ouais, nickel. Le i est un petit peu trop gros par rapport au L. Il faut qu'il soit plus petit. Donc voilà, on va voir du coup, on va faire la différence parce que je pense que je vais recouper le vlog d'hier avec celui d'aujourd'hui vu qu'il n'y a rien de bien passionnant et que j'étais relativement... Celui-là, il est nickel. Que j'étais relativement en vrac en plus hier, vraiment. Donc voilà, écoutez, il est 9h, même pas encore tout à fait. Donc ça fait un moment qu'on est réveillé. Maëlys s'est réveillée à 6h30, 6h, je crois, un truc comme ça. Et donc du coup, on est réveillé depuis cette heure-ci. La Myron, il vient juste se lever. Il est en train de déjeuner tranquillou là-bas. Voilà, avec le casque sur les oreilles. Et tous les autres font dodo. Bon, en même temps, c'est dimanche, ils ont bien raison. Du coup, on est devant les vlogs de Laureline. Parce que du coup, là, elle filmait avec justement une caméra. Parce qu'il y a tout le monde qui m'a dit oui, mais tu peux pas en reprendre une, par exemple, de caméra, etc. Machin, nanani, nanana. Tu peux pas ouvrir une cagnotte ou autre. En plus, c'est bientôt ton anniversaire. Et je vous avoue que franchement, avec tout ce qui se passe, etc., il y a tout le monde qui galère déjà pas mal. Donc, je me vois mal ouvrir une cagnotte et faire participer les gens pour mon plaisir à moi. Donc, pour l'instant, écoutez, je me débrouillerai avec mon téléphone. Je ferai avec lui et avec le téléphone. On verra ce que ça donnera. J'en ai trouvé une, justement, que Laureline a montré dans un de ses vlogs parce qu'elle filmait avec, elle voulait regarder ce que ça avait dans le vide et tout. Et je trouve l'image juste magnifique. Et elle est beaucoup moins chère que celle que j'ai là. Et en plus, elle est pocket. Elle va sous l'eau. Elle va. Donc, franchement, je pourrais faire davantage de trucs avec. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Vu que c'est beaucoup moins cher en plus. Donc, je suis en train de me pencher sur la question. Je suis en train de voir un petit peu, etc. On verra. Voilà, on verra. J'ai celle-ci en vue. C'est la Osmo Pocket 2. Elle est vraiment top niveau qualité. Donc, je suis super contente. Je verrai ça. Je lui ai demandé du coup à Laureline, sous sa dernière vidéo justement, qu'est-ce que c'est qu'elle prenait. Puis, elle l'a dit quelques instants après dans son vlog parce que elle vloguait avec. Et en plus, c'est quelque chose... Vous savez, celle-ci est très lourde et ça me fait des fois mal aux mains de, voilà, de tenir la caméra ou autre. Et en fait, l'autre, c'est vraiment... Bah, attendez, je vais essayer de vous faire voir sur mon téléphone pour vous faire voir ce que c'est en fait exactement. Et c'est hallucinant. Vous tenez ça juste dans la main. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous tenez ça juste dans la main et ça a une qualité de malade. Donc, je suis en train de me pencher sur la, voilà, sur la question. Il y en a en plus à boulanger. Donc, à voir. À voir. Voilà. C'est beaucoup moins cher quand même, hein. Il y a quand même presque 200 euros de moins que ma caméra moi, donc c'est du 4K, c'est étanche, franchement, ouais. Franchement je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal du tout, donc on verra. Je sais pas, c'est Phoenix qui a dû pousser ça. Phoenix, il a complètement poussé la cage complètement. Il a voulu jouer avec Lovely et il a poussé complètement la cage. Laisse la comme ça, je vais venir la remettre mon amour. T'es sûr que tu vas y arriver? Allez, c'est bon, nickel. Merci, mon amour. Donc voilà, elle me fait vraiment, vraiment bien de l'œil. Et j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien peut-être investir là-dedans le jour où je peux m'en reprendre une. Voilà, là, on verra bien ce que ça va donner. Franchement, aujourd'hui, le temps est très gris. Il y a pas mal de vent. Sinon, à part ça, on est dégoûté parce que Maëlys, elle avait son eczéma qui était quasiment parti entièrement à force de mettre la crème. Et sauf que ben là, c'est complètement revenu. En quelques jours qu'on a arrêté la crème, ben c'est revenu. Parce qu'il m'avait dit de le faire pendant 10 jours. On l'avait fait pendant 10 jours, on avait stoppé, j'avais vu que ça revenait un petit peu. Donc je me suis dit peut-être que j'arrêtais trop tôt. Donc j'avais recommencé et puis là, non, j'ai arrêté, c'est revenu. Mais de plus belle, à des endroits où elle n'en avait même pas.
Donc, j'ai rendez-vous la semaine prochaine, je crois le 17, pour Alison, pour sa respiration, pour qu'on mette en place un traitement. Je ne sais pas si vous aviez suivi, elle avait fait le test de respiration et c'était très mauvais. Et du coup, il fallait lui mettre un traitement en place. Il était vraiment mauvais, comment ça s'appelle, CB, son, je sais plus comment ça s'appelle exactement, bref. Mais l'examen n'était pas bon. Donc du coup il fallait qu'on se redonne rendez-vous, qu'il étudie les chiffres et tout entre temps. Donc voilà, là on a rendez-vous le 17 et on va voir ce qu'il va mettre en place. Et je pense que je vais amener Maëlys aussi avec nous, comme ça au moins on lui reparlera de l'eczéma, voir s'il faut faire d'autres examens, aller plus loin ou je sais pas. Voilà, on verra bien. Donc voilà, écoutez, on verra un petit peu ce qui se passera dans la journée. Rien de bien fou je pense, parce qu'on va pas faire quelque chose de fou. On a déjà fait les devoirs, on est vraiment, voilà, on a une journée tranquille aujourd'hui. On va juste être calé. Voilà, on va se caler. Peut-être on fera un petit peu des activités avec la laine et tout ça, avec le papier crépon. Oui, et si après on veut faire des activités, on prendra la laine et le papier crépon. Ouais, voilà. Avec les trucs de rouleau de papier toilette et de papier. Parce que moi, je voulais faire un petit truc. Je voulais faire des oreilles de lapin. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire. Ok ? Allez. Ah oui, d'ailleurs. Maëlys était en train de me réciter sa poésie parce qu'elle a appris une poésie, enfin une partie de poésie hier. Du coup, elle me dit, je la fais voir au coupinou. L'autre, au coin du bois, joue de l'harmonica. Quel joie chez les feuilles. Elle valse au bras du vent qui les emporte. Parfait. Donc les amis, on vous reprend. Il est 13h30. On a fini de manger, etc. Ça a été du rapide. Hein. Ça a été lampi-saucisse, reste de taboulé, reste de lampe carotte râpée. Il y avait les restes aussi des ravioles d'hier soir. Voilà, on a fini un petit peu tout. Et du coup, Maëlys, elle s'ennuyait un petit peu. Elle en a marre de regarder un petit peu les dessins animés. Donc je me suis dit que voilà, on allait faire une petite activité pour l'occuper un petit peu toute l'après-midi, comme ça au moins. Je vais la réexpliquer. Oui, voilà, si tu veux. En fait, maman, elle doit me dessiner quelque chose dessus un papier. Et moi, je dois couper du papier crayon. Un tout petit morceau, tout petit un morceau. Un petit morceau. Faire des petites boules en fait. Et je dois faire une boule. Ensuite, on doit aller chercher une colle. On prend une pince. Et on doit, c'est pour mettre les papiers dessus, le dessin, pour pas ça s'enlève. Alors, vous allez voir. Il aurait fallu prendre peut-être tes feutres, d'ailleurs, en parlant de ça. Pour faire le dessin, ce sera plus facile parce qu'il faut que ce soit épais pour pouvoir mettre après la colle. Et on n'a pas pris la colle. Donc, on va chercher tout ça et on revient. Donc, du coup, Maëlys, elle va choisir les couleurs qu'elle veut mettre sur sa fleur. Il faut la tige, il faut le milieu et il faut les feuilles, enfin les pétales. Moi, je vais lui dessiner ça en attendant. Tu veux mettre tout ça dessus? Je vais prendre moi aussi. Attends, il y a plein de feuilles, donc tu en feras tout. Donc, ça fait tout tomber. J'ai déjà mes couleurs. Alors, hop, je déclare tout ça ici. Donc, moi, pendant que je vais dessiner là, Maëlys, elle va prendre une feuille de papier crépon. On va découper. Non, il le ferme. Non, mais c'est juste pour te couper un morceau, mon cœur. Ah. Parce que t'as pas besoin de tout ça. Oui, quand même. Alors, celui-là, on va le poser là. Et là, elle va prendre, tu vois, faut que tu déchires des tout petits morceaux. Oui, et je fais des boules. Et hop, tu fais des petites boules comme ça. Pas plus, tu vois, vraiment des petites boules. Mais t'en prends quand même des petits plus gros pour que tu les mettes vraiment, tu vois, comme ça. D'accord. Un petit peu plus gros. Donc, comme je te laisse faire ça. Comme ça. Voilà, et là, tu le... Voilà. Du coup, moi, je vais faire son petit dessin. Donc, je vais vous baisser juste là. Comme ça, vous allez voir ce que je vais lui faire comme fleur. Et elle continue de faire ses petits papiers. Je vais venir ensuite prendre la colle. Alors pour la colle, c'est ce qu'on avait pris, vous avez pu voir dans notre haul action. Oui. Voilà, donc je vais y en mettre partout sur les feuilles. Hop là, on va en faire une par une de pétales. Comme ça au moins... Tac, 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 tac. Regarde tout ce que j'ai fait. Et ensuite, elle va venir prendre ça, regarde. Ah, passe. Tu prends. Oui. Et tu mets dessus. D'accord. Allez. Bon, du coup, on prend le relais avec le téléphone parce que l'appareil photo, ça y est, fait de nouveau des siennes, il ne veut plus s'allumer. C'est bon, maman, tu peux me remettre la colle. Donc voilà, ça c'est la petite fleur de Alison. Et donc, Maëlys, elle en est là. Elle a bien avancé. Elle a presque fini toutes les pétales.
Il m'en reste plus que deux. Ah ah, très bien, madame. Ça te plaît? Oui. Bon, alors parfait. Est-ce que c'est bien, non, de le faire en famille? Du coup, il y a Myron qui s'est joint à nous aussi. Voilà. Au moins, ça le fait lâcher un petit peu ses écrans. Yes, monsieur Switch. Switch et tout. Et oui, du coup, il faut qu'on te reprenne une manette de play. Je peux pas jouer à la Switch. Quoique, c'est bien comme ça quand tu joues pas trop. Hein. Oui, voilà, c'est très bien mais aussi. Mais je joue plus à la Switch maintenant. Bon, on va la Switch. Votre cas, c'est ta Switch. On va peut-être pas abuser non plus, hein. Ça coûte des sous tout ça. Hein. Enfin voilà, du coup ça s'occupe tranquillou, il est 14h10 bientôt. Allez, elle est en train de finir de faire sa chambre. Alison, elle l'a fait tout à l'heure, du coup elle n'a plus que ses devoirs à finir. Et on est bon, mais 2 minutes, on n'est pas à 2 secondes près ma vie. Elle est en train de mettre la colle, laisse-la mettre la colle et ensuite elle te la donne. Voilà, je crois que Charlotte voulait faire un gâteau au yaourt aussi après, donc peut-être qu'elle va faire ça, je ne sais pas. Et pour ce soir, ce sera... croque monsieur. Pendant que les autres ils sont en train de faire leur petit truc, Charlie est en train de nous faire un gâteau yaourt. Miam miam, on l'adore. J'aime trop l'odeur, ça donne juste envie de... Ça fait un moment que tu n'en as pas fait, c'est vrai, mais pas tant que ça il me semble pourtant moi. Je jure, moi il me semble vraiment pas. Hein. D'habitude tu fais soit les beignets, soit des... Mais la dernière fois tu en as fait déjà, non? Je sais pas. Bref, voilà. Ah si, une fois quand il est attaché. Il me semble, hein, que ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Bon, bref. Hein. Et voilà, le temps, c'est tout pourri. Oh purée, il y a une trace de doigt juste là, là. Il faut que je nettoie ça. Ça, c'est tout à l'heure quand on a fait. Oh, mais il y a même des traces d'eau et tout. Qu'est-ce qui s'est passé sur la vitre, là? Il a plu. Ah, ah bah oui. Mais bon, c'est à l'intérieur, hein, là. Hein. C'est pas... Bon, bref, on va nettoyer ça. Vous avez vu, dehors, franchement, c'est... Il y a du vent. C'est tout gris. Ça donne tellement envie de rien. Du coup, les loulous, ils sont encore en mode... petite activité. Et Alison, elle a fait celui-là. Je le trouve trop mignon. C'est trop beau. J'aime trop. Bon, du coup, les amis, il est 3h20. Malice, elle est encore en train de finir de faire son petit atelier là-bas, là, tranquillou. Les autres, ça y est, ils ont lâché l'affaire. Ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Et du coup, ben, nous, on était calés. Je suis encore en train de faire les montages de vlogs, etc. Parce que mine de rien, ben, c'est bien beau de faire des vidéos tous les jours, mais ça prend du temps, du coup, de monter tout, etc. Mais ça y est, j'arrive quasiment à jour. J'aurais plus que ce vlog-là à monter, mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de fou. Donc peut-être que je vais devoir le fusionner avec celui de demain ou quoi. Je ne sais pas, on verra. Du coup, sinon, on a trouvé un petit bonheur, un petit gros bonheur même. Parce que comme vous savez, l'appareil photo, il a rendu l'âme comblée. Ça y est, hein, tout à l'heure, j'ai encore essayé de l'utiliser. Ça marchait un peu ce matin et puis d'un seul coup, plus rien. Et du coup, on était en train de chercher quelque chose qui soit un petit peu plus dans notre budget, parce que reprendre le même que ce que j'avais, c'était quand même 500 € voire plus. Hein, c'est ça mon cas. Hein. Et c'est pas le dernier, quoi. Hein, c'est vraiment celui d'avant, celui que j'ai depuis des années. Donc il y en a d'autres qui sont sortis entre temps, mais voilà, c'est encore pire au niveau du prix. Donc c'est pas possible. Franchement, c'était beaucoup trop. On avait un petit peu de sous de côté, mais bon, on va pas non plus dépenser tous les sous qu'on a de côté pour. Pour ça, quoi, franchement, ça c'est pas la peine. Et du coup, je suis tombée justement, comme par hasard en plus, hier, donc sur le vlog de Laureline qui présentait une caméra là avec laquelle elle vloguait et tout. J'ai trouvé la qualité trop bien. Je me suis dit, on va regarder. Ça m'étonnerait que ce soit moins cher, mais ça, on va regarder. Et je suis restée super étonnée parce que c'est vraiment une super bonne qualité et tout. J'ai regardé un petit peu sur YouTube justement des vidéos filmées avec, etc., pour voir au niveau de la qualité et tout et tout. Elle est top. Elle est beaucoup plus petite et légère que ce que j'avais. Donc ça va être trop bien aussi, même au niveau de la maniabilité, pour la tenir et tout. Ce ne sera pas lourd comme là, des fois, j'ai même limite du mal à vous tenir. Et on a trouvé ça à Boulanger. Donc du coup, on a pu commander en drive. Et demain, on ira la chercher. Donc, je suis trop contente. Et le truc est bien, c'est qu'on peut la mettre dans l'eau. Ouais, ça leur a plu aussi aux petits parce qu'elle est étanche, à moins que ce soit juste étanche s'il pleut ou quoi. Ça, j'ai pas regardé exactement. On verra. Quoi qu'il arrive, voilà, on s'en fout. Même si ça va pas sous l'eau, ben, on verra bien. Mais étanche, je pense que ça veut dire ça. On verra. Est-ce que au pire des cas, je regarderai. J'ai pas regardé. J'aurais pu regarder sur Internet. Ouais, voilà, c'est marqué étanche. Donc, on verra bien dans quelles conditions. Du coup, j'ai passé la commande, c'est bon. Et chérie, il a cherché ça demain au drive. Parce que franchement, du téléphone, c'est la galère quand même. C'est la galère. La qualité, c'est quand même pas la même chose que voilà qu'une caméra de vlog et tout. Pour dépanner un petit peu comme ça,
C'est bien, mais voilà. Bref, je suis trop contente. Vraiment, vraiment trop contente. On verra ce que du coup ça donnera. On la déballera avec vous demain, etc., etc. On pourra voir un petit peu ce que c'est exactement. Et puis voilà. Bon, du coup, je suis en train de regarder les copines en même temps. Donc là, je suis devant ma petite Marie. Mais il me semble que je l'avais déjà vu celui-là. Là. Maman, il y a... regarde ce que je t'ai fait. C'est mignon. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça, c'est beau. C'est quoi? Mais il a des yeux. En fait, ouais, ça, j'ai vu. C'est quoi, c'est ses sourcils? C'est un monosourcil qu'il a en rose alors là. C'est un bandeau. Ça, c'est un chapeau. Un chapeau, non, un bandeau. C'est un bandeau, mais sauf que. Il s'attache pas derrière. Sauf que j'ai pas. D'accord, ok. Alors fini et tu me feras voir ça. Bon, du coup, je vais vous laisser. On va clôturer le vlog comme ça. Je finirai de le monter et je serai tranquille pour ce soir. Et puis. Et puis, on se retrouvera demain, tranquillou. Ça sent bon. Charles, elle a fini son gâteau au yaourt. Ça sent trop, trop bon. J'ai l'odeur qui me vient dans le nez. Bon, du coup, on vous fait des bisous. Et on vous retrouve, du coup, demain. Allez, ciao. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.